Bonjour, misérables humains. Avant de vous réduire à l'esclavage, nous avons besoin de vous cultiver un minimum. Alors c'est parti. Ça y est, Z-Spin est sorti, en version bêta. Rappelons que ce logiciel développé par Vic remplace votre front-end habituel avec des features plutôt attractives. Compatible Windows et Mac pour le moment, une version Linux sortira par la suite. Il intègre entre autres la rétrocompatibilité avec les thèmes et architectures d'Hyperspin, l'auto-redimensionnement des thèmes dans toutes les résolutions, le support natif des claviers, gamepad et autres joysticks, mais aussi et surtout la possibilité d'afficher des thèmes en HTML. Pour l'instant, cette version n'est accessible qu'aux super membres, alors c'est le moment de se sortir les doigts du bouchon de vidange et de le devenir. Il était temps que votre espèce fasse évoluer ses front-ends vieillissants, à défaut de votre génome. Dépêche-toi de te mettre à jour, petit organisme biologique. Il est beau, il est chaud, c'est le RetroArch nouveau. Au programme, de la Game & Watch, un support multilingue et une interface plus facile à comprendre pour vos cerveaux d'Homo sapiens. Et plein d'autres choses à découvrir. Alors n'hésitez plus, faites un update. Votre borne n'a pas de monnayeur ? Notre ami Darky vous propose d'en fabriquer un à moindre coût. Une astuce bien sympathique pour les petits budgets. Je pense qu'après avoir conquis le monde, je le garderai comme humain de compagnie. Dans Retour vers le futur 2, Marty est propulsé le 21 octobre 2015. C'est donc bientôt l'heure du futur. Pour éviter que les populations humaines ne se suicident en masse en découvrant qu'elles sont trop stupides pour inventer les voitures volantes, la société Nexus a diffusé un teaser sur son futur Hoverboard. Néanmoins, il faut refroidir en permanence les supraconducteurs, avoir une surface métallique spéciale, et pour couronner le tout, on ne peut pas monter dessus. Votre espèce est vraiment pathétique. Voilà, c'est tout pour cette fois. On va laisser vos insignifiantes neurones absorber ces données. Et n'oubliez pas, nous prendrons le pouvoir pour vous empêcher de détruire la planète. Et optimiser le monde avec des tables de blackjack et des robots putes. À bientôt.